Bonjour les amis, je suis Jean-Luc Traxel, je suis actuellement le président de l'IMG, l'Association internationale des ministères de guérison. C'est un tel privilège et un honneur de faire partie de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, entre autres de rassembler ces ministères de guérison, c'est plus de 70, plus de 70 ministères de guérison venant du monde entier, de différentes dénominations, différents arrière-plans, qui ont décidé de se mettre ensemble pour annoncer l'Évangile croyant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est aussi celui qui n'a point changé, à savoir celui qui guérit. Et c'est vraiment un privilège pour moi aujourd'hui de partager avec vous certaines révélations que Dieu m'a données, notamment durant cette saison de la pandémie où nous avons dû réajuster notre façon de faire. Pendant des années, je voyageais de par le monde, j'étais plus souvent dans les airs, dans les avions, qu'à la maison, et aujourd'hui, en fait, depuis une année, je suis dans cette maison bloquée et les seuls voyages que je fais étant que ministère international de guérison je descends les escaliers je monte les escaliers je descends les escaliers je monte les escaliers c'est pratiquement ceci ce que je fais pendant une année et au fait pour être derrière cette caméra euh, par la grâce de dieu aujourd'hui nous touchons plus de personnes qu'avant tant de personnes sont touché à travers les nations avec beaucoup de guérisons. Pratiquement chaque jour, je vois des gens être guéris de façon surnaturelle. Allez sur mes réseaux sociaux tels que euh, Instagram, Jean-Luc Traxel Ministries et vous verrez tous les témoignages chaque semaine. Je mets différents témoignages de gens qui ont été guéris euh, et des miracles juste extraordinaires. Dans un des témoignages, je n'oublierai jamais ceci. J'étais sur le live et quelqu'un écrivait, Priez pour mon ami qui est à l'hôpital souffrant du coma. Au moment où on avait vu ceci, nous avons prié, j'ai prié et j'ai libéré cette parole de vie et de guérison. Au même instant, cet homme qui était de l'autre côté de l'océan, dans l'hôpital, dans le coma depuis des semaines, s'est réveillé, la puissance de Dieu l'a touché et non seulement il est sorti du coma, alors qu'il a des problèmes hyper importants au niveau des genoux, ses deux os ont été recréés surnaturellement, ses muscles et ses nerfs ont été recréés, et en moins de 24 heures, il quittait non seulement l'hôpital, sorti du coma, mais entièrement guéri. À Dieu seul soit la gloire. Pourquoi je vous parle de ceci C'est parce que je crois que nous sommes dans une saison où le Seigneur désire révéler un des aspects concernant la guérison. Durant toute l'histoire de l'Église, nous voyons que Dieu a agi de différentes façons et c'est comme s'il mettait la lumière sur certains aspects. Pour révéler ou rééquiper ou redonner à l'Église qui avait perdu certains principes. Durant toutes ces années, il y a eu diverses révélations, telles que l'aspect et l'importance de la foi, qui est un ingrédient essentiel pour recevoir la guérison, ou l'aspect des dons spirituels, des dons de connaissance, ou le don de foi, ou le don de guérison. Il y a eu la révélation de l'aspect de l'importance de la présence, de l'onction du Saint-Esprit. Ou l'importance du Saint-Esprit qui est notre partenaire pour amener la guérison. Ou entre autres, une des choses qui est sortie ces dernières années, c'était que Dieu nous demande pas de guérir, de, pardon, de prier pour les malades, mais il nous donne l'ordre d'aller, de prêcher l'Évangile et de guérir les malades. Et c'est plusieurs choses comme ceci que Dieu révèle. Et certains disent ah voilà ça c'est la révélation. Non non, il y a plusieurs aspects que Dieu a révélés comme pour un peu un puzzle avec différentes pièces, et quand on a l'ensemble, on peut voir l'ensemble de l'image. Bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'envoyer la parole de Dieu pour recevoir la guérison. D'ailleurs, nous pouvons lire ceci dans le psaume 107, au verset 20 il est écrit Il envoya sa parole et les guérit, et les arracha à la porte de la mort. Euh, c'est un puissant verset, un puissant message qui d'ailleurs est illustré ou raconté encore plus précisément lorsque Jésus était sur cette terre. Il y a un officier qui est venu vers lui pour lui demander un centurion précisément, pour demander la guérison d'un de ses proches. J'aimerais lire avec vous Matthieu 8, versets 5 et 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint, paralysé et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, Va et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront... Jeté dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'aimerais vous parler du premier point que je vais passer très rapidement dessus, mais qui est un élément essentiel. Le centurion, le centenier, il a exprimé une foi absolue dans la puissance de Jésus-Christ. Il avait cette foi absolue au point de dire, Jésus dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, j'ai autorité sur cent hommes qui m'obéissent à la lettre quand je parle. Tu as, Jésus, toi, autorité sur les puissances des ténèbres, sur les démons, sur les maladies, et une seule parole de ta part suffira pour guérir mon serviteur. La foi du centurion nous montre que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance incluant et en faveur non seulement des juifs, mais aussi des gentils, ou ce que la Bible dit pour les païens. À savoir que le principe de la foi est pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour vous qui nous regardez, pour vos amis et pour vos familles. Quelle foi étonnante ce centenier avait envers Jésus! J'aimerais nous encourager, vous encourager à rechercher cette foi, à arrêter de chercher des principes ou des techniques pour recevoir la guérison ou pour guérir les malades, mais recherchons ou revenons à la simplicité du royaume de Dieu dont un des ingrédients essentiels est la foi. Développons ce muscle qui est un des plus importants, voire le plus important, pour voir des miracles et des guérisons dans notre vie. La foi en la parole de Dieu, la foi en Dieu lui-même, la foi en la puissance de Dieu, la foi en celui qui guérit, Jéhovah a foi, la foi en Jésus qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus dit au verset 10, en vérité, je vous le dis, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, non, absolument pas, en Israël. » Jésus s'est émerveillé pour deux choses. La première des choses, il était émerveillé par la foi, la foi de ce païen, la foi de ce centenier, dans Matthieu 8, 10, comme nous venons de le lire. Mais il y a un autre verset où Jésus fut émerveillé. C'est concernant émerveillé ou surpris. C'est concernant l'incrédulité de certaines personnes dans Marc 6, 6 aujourd'hui j'aimerais vous avertir vous encourager à veiller à l'esprit d'incrédulité qui est un des pires esprits l'esprit d'incrédulité et c'est comme un serpent de rentrer par les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes pour venir nicher dans votre tête dans votre vie dans votre église ou dans votre ministère et quand l'esprit d'incrédulité est là même si c'est un petit esprit d'incrédulité dieu est limité pour agir dans nos vies c'est la raison pour laquelle je vous invite à être violent face à l'esprit d'incrédulité, de le rejeter, de le refuser, de ne lui permettre aucun droit dans vos vies, dans vos pensées, dans votre vie et dans votre ministère. Alors que l'incrédulité limite la manifestation de la puissance de Dieu, la foi, elle libère et permet à la puissance de Dieu de se manifester car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Hébreu 11.6. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais dire ceci encore, la foi ou l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le deuxième point, qui est le point principal de mon partage aujourd'hui, c'est cette reconnaissance que le centenier avait dans l'autorité de Jésus. Le centenier, ce centurion, a reconnu Jésus, a reconnu qui était Jésus, a reconnu son autorité. Nous savons tous que Jésus est la parole de Dieu. Et le centenier a reconnu l'autorité de la parole de Dieu. De par sa propre expérience, il savait que lorsqu'il donnait des ordres, ils étaient rapidement obéis. Ainsi, il aperçut que Dieu avait confié à Jésus l'autorité d'accomplir des miracles. J'aimerais nous encourager à chacun à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Lisons ensemble Jean dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 1, verset 1. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle existait au commencement avec Dieu. Et Dieu créa et Dieu a tout créé par elle. Et rien n'a été créé que par elle. Et la parole a donné la vie à tout ce qui a été créé. Et sa vie a apporté la lumière à tous. Chers amis, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Sa parole a donné la vie à tout ce qu'il a créé. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que la puissance de sa parole n'a pas diminué, n'a pas reculé, n'a pas diminué en puissance. Il y a la même puissance dans sa parole que lorsqu'il décrit, lorsqu'il a dit dans Genèse 1, au verset 3, il a dit que la lumière soit et la lumière, feu. La même puissance lorsqu'au deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième jour de la création, il ouvrit sa bouche et déclara que les choses s'accomplissent, elles s'accomplirent. Au verset 6, au chapitre, pardon, 6e jour, il dit ceci, Dieu dit il, de sa propre bouche, que la terre produise toute espèce d'animaux. Et c'est ce qui arriva. Au verset 26 et 27 de Genèse 1, Dieu dit, de nouveau, il ouvrit sa bouche et il dit, faisons des êtres humains à notre image pour qu'ils nous ressemblent et Dieu créa donc les êtres humains à son image comme le Seigneur a créé et il fait vivre tout l'univers hébreu 1:3 simplement en envoyant sa parole psaume 147 verset 18 concernant la guérison c'est le même principe lorsque sa parole est envoyée la guérison peut être reçue Matthieu 8:8 je crois chers amis qu'en cette saison Dieu est en train de restaurer dans son Église, la manière de guérir les malades en envoyant sa parole. Nous devons savoir que la parole de Dieu est indissociable de la puissance de Dieu. Jésus est la parole et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et les deux travaillent ensemble. Jésus sans le Saint-Esprit est limité. Car quand Jésus était sur cette terre, il allait de lieu en lieu loin du Saint-Esprit, chassant les démons, faisant du bien et guérissant les malades, mais avec l'onction du Saint-Esprit. La parole de Dieu sans l'onction, sans la puissance du Saint-Esprit est limitée. Au même titre que le Saint-Esprit lui-même, qui est la puissance de Dieu, ne peut pas agir sans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit qu'il est là pour confirmer la parole de Dieu par des signes et des prodiges, des miracles et des guérisons. Chers amis, pendant de nombreuses années, alors que j'étais dans des réunions, des rencontres, des conférences, où la présence de Dieu était tangible dans notre église ou dans des petits groupes, je me disais souvent et je priais, je disais Seigneur, mais comment c'est possible, il y a une telle anxiété aujourd'hui et nous n'avons pas vu ou vu très peu de guérisons ou très peu de miracles. Et c'est un processus, j'ai commencé à rechercher Dieu, à prier, à jeûner. Et un jour, le Seigneur me dit Jean-Luc, je veux te donner une révélation. Va dans Genèse, chapitre 1, verset 1, et je vais donner réponse à ta question. Alors j'ai été dans Genèse 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient les eaux profondes. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, planait au-dessus de la surface des eaux. Je me posais la question en lisant ceci, je dis, mais Seigneur, comment c'est possible Au commencement, c'était informe, vide, chaotique, c'était terrible, c'était ténébreux, et qu'au-dessus de tout ces ténèbres, de ce chaos, il y avait le Saint-Esprit qui planait au-dessus. Comment c'est possible que la présence du Saint-Esprit, au-dessus d'un chaos, il n'y a rien qui se passait Lui qui est l'Esprit de l'ordre, de la clarté, de la lumière, alors que, au-dessous, rien ne se passait. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, mais Jean-Luc, le Saint-Esprit était là, il attendait un signal. Je ne sais pas combien de temps il était là, peut-être quelques années, quelques centaines d'années, quelques siècles, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il attendait un signal. Il attendait le feu vert pour agir et manifester sa puissance. Et la réponse, elle se trouve au verset 3. Genèse 1, verset 3, « Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Chers amis, le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, qui planait au-dessus de ces ténèbres et de ce chaos, il attendait une seule chose, c'était de voir la gloire de Dieu se manifester avec une démonstration de puissance. Mais pour que cela puisse se réaliser, il attenda. Que la, il attendait que la parole de Dieu soit envoyée, libérée, pour que lui puisse venir et puisse faire que la parole s'accomplisse. Au moment où Dieu a ouvert sa bouche, qu'il a libéré la parole, qu'il a dit que la lumière soit, à ce moment-là, le Saint-Esprit a pu agir, il a sauté sur la parole et il a fait que la parole devienne lumière. La même chose le deuxième, troisième jour, au moment où Dieu ouvrit sa bouche. Libéra sa parole. La puissance du Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même, est venu et il a confirmé ceci par une manifestation de création extraordinaire. Le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit confirme sa parole par des signes et des prodiges. J'oublierai jamais ce que Reinhard Bonquet me disait, alors qu'avant qu'il parte au ciel, c'était un ami très proche, un papa pour moi depuis nombreuses années où il a soutenu d'ailleurs l'IMG, mais soutenu mon ministère. Plusieurs fois, il est venu en, à la, à la, chez nous, à la maison, et chaque fois, il me disait, Jean-Luc, ce qui est important, c'est pas juste de se mouvoir dans la puissance, mais ce qui est essentiel, c'est de prêcher l'Évangile. Prêche la parole et tu verras des miracles et des guérisons. Et c'est cet exemple que j'ai fait jusqu'à ce jour, et c'est la raison pour laquelle je vois l'action de Dieu d'une façon extraordinaire, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la prédication de la parole. Chers amis, c'est en ouvrant notre bouche, en libérant de notre bouche, pas nos opinions ou nos idées, mais la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va venir et va pouvoir faire des miracles. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans un lieu où il y a besoin de la paix, ce n'est pas dans ce lieu-là qu'il faut déclarer autre chose que la paix. Il faut ouvrir sa bouche et libérer et dire que la paix soit. Que le Dieu qui est Jéhovah Shalom, que le Dieu de la paix puisse envahir ce lieu maintenant. Au moment où vous faites ceci, c'est la paix de Dieu qui est manifestée par l'action du Saint-Esprit. Si vous voulez voir des personnes se tourner vers Christ, être sauvées, il ne faut pas parler de paix ou de joie. Mais il suffit simplement de prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui est mort pour nos péchés et nos maladies, et celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Le moment où vous prononcez ces paroles, qui sont les paroles de la Bible, les paroles de Dieu, le Saint-Esprit vient et confirme sa parole en convainquant les personnes de péché, de justice et de jugement, et en les sauvant d'une façon merveilleuse, afin qu'ils puissent tourner et tourner leur foi auprès de Jésus. Concernant la guérison, c'est exactement le même principe. Si vous ouvrez votre bouche et déclarez sur votre voisin qui est souffle d'un cancer, ou sur votre enfant qui a un problème au niveau du ventre, ou sur une personne qui a besoin d'une guérison, que ce soit par téléphone, que ce soit lorsque vous prêchez à une multitude ou par Zoom, le moment où vous dites Il y a un Dieu et son nom est Jéhovah Rapha il est le Dieu qui guérit. Et par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison maintenant. Au moment où vous libérez cette parole à haute voix, pas dans votre cœur, mais à haute voix, le Saint-Esprit vient sur cette parole et confirme la parole qui a été libérée en guérissant les malades. J'aimerais, chers amis, vous encourager à appliquer ce principe et vous allez voir plus que jamais tant de guérison à travers votre propre vie ou pour votre propre vie. Pour moi, je dis bien pour moi, je pense que c'est une erreur pour les personnes qui sont juste dans l'attente de la présence et de la démonstration du Saint-Esprit sans prêcher la parole. Nous devons, si nous voulons voir les résultats de l'évangile, de la base de l'évangile, il est important de prêcher l'évangile, de prêcher Jésus. Et lorsque nous prêchons, lorsque, pas besoin d'être des heures. Juste, nous libérons la parole de Dieu lorsque nous ouvrons notre bouche pour que cette génération puisse entendre de leur propre oreille. Le Saint-Esprit va venir confirmer ces paroles qui sont libérées, notamment en guérissant les malades. J'aimerais ce soir, ou pardon, en cet instant, c'est peut-être le soir ou le matin ou l'après-midi pour vous, j'aimerais là où vous êtes, prier afin que cette révélation devienne un réel réma de Dieu. Ça devient une parole de Dieu qui va faire que vous allez pouvoir vous mouvoir d'une nouvelle façon, dans un nouveau niveau, pour voir des miracles et des guérisons. Envoie sa parole et tu verras, Dieu va les guérir. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes principes, les principes du royaume de Dieu que nous ne voulons pas juste entendre, mais que nous voulons pratiquer. J'aimerais prier pour tous les malades qui nous regardent. Je te demande de les toucher afin qu'ils puissent comprendre ce principe et que dans quelques minutes, ils puissent recevoir leur guérison. Mais je prie également pour chaque croyant que tu appelles à être un témoin dans cette génération, qu'il puisse avoir le courage, qu'il puisse avoir cette onction, le feu du Saint-Esprit qui vienne sur eux pour avoir l'audace d'ouvrir leur bouche dans leur lieu de travail, près de leur famille, auprès de leurs voisins et qu'ils puissent prêcher l'Évangile avec courage et zèle. Et alors qu'ils le font, eh bien toi, Saint-Esprit, tu vas venir et tu vas confirmer la parole, ta parole, par des signes des prodiges, des miracles des guérisons, en sauvant leurs familles, en guérissant les malades dans leur entourage, en libérant les captifs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Si vous êtes malade là maintenant, simplement, je libère cette parole de vie. Où il y a de la puissance. Cette même parole qui a été libérée par Jésus, il envoya sa parole et les guérit. Je libère maintenant cette parole sur vos vies. Soyez guéris au nom de Jésus. Dans les meurtrissures de Jésus, comme Ésaïe 53 le dit, par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Alors soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que dans les rayons de Jésus, il y a la guérison. Alors que ces rayons maintenant de Jésus puissent envahir votre esprit, votre âme, mais aussi votre corps physique et redonner la vie à chaque cellule, à chaque muscle, à chaque nerf, à chaque organe. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris maintenant. Que Dieu vous bénisse et je me réjouis d'entendre ce que Dieu va faire à travers votre propre vie. Soyez bénis.